mes 50 ans de promotion dans la boxe. Hey, maintenant, c'est 35-40 ans d'histoire. Écoute, au début, je voulais le faire tout seul, mais à un moment donné, il est rendu à moitié. J'ai tout mis ça dans des boîtes, j'ai dit qu'il ne fallait pas une scène avec ça. Mais là, après ça, ils m'ont approché. Hey, on a travaillé 6 mois comme des malades là-dessus. On l'a tout fait. Puis là, elle l'est, mon lit. Hey, tabarnak, ça va être beau, ça. T'es pas tout est dedans. Ça va de jouer Durel, Clérou, Eddie Mello. Hey, tabarnak, c'est l'histoire de la boxe au Québec. Tu peux pas manquer ça. Faut que tu connaisses ça. Si tu veux suivre la boxe, faut que tu connaisses l'histoire de la boxe au Québec. Puis l'histoire de la boxe au Québec, ça passe par moi. Mais toi, tu vas-tu l'acheter, ce livre-là? Mais l'acheter, certain. Il y a tellement d'histoires dans ça que c'est sûr qu'il va se vendre au bout. Parce que de chaque personne qui va l'acheter, elle va le dire à son chum, faut que ça aide ça. Ça va à peine, il est bon, Chris le livre, puis il y a tout dedans. 300 pages, 300 photos. C'est pas un livre de Toto au coin de la rue qui fait un petit livre, qui vend ça, Chris. Toi, tu parles-tu de Michel Baudry dedans? Oui, oui, du Michel Baudry. Pas bon pour tes ventes, ça. Oui, c'est le numéro 1. Hey, 50 ans de promotion, Chris, ça a passé comme un siron. Moi-même, ça fait 6 fois que je lis le livre. Puis Chris apprend des affaires. C'est pas ce qu'il arrive, puis il est capable de me défaire de cette voie-là.